C'est un soir. La brise apporte la senteur des sureaux. Sur un banc devant sa maison, Mina, modiste à la retraite, est assise, aspirant l'air à longs traits. Elle a les yeux clos, elle a quitté son tricot et ses mains sont posées dans son tablier. Mina, Mina Hirt, ainsi son nom, aspire. Un sourire aux lèvres que des rides mettent entre parenthèses. Un souvenir, qui sait, la visite. Mina courant dans sa robe d'été qui bouffe. Elle a rendez-vous, c'est un soir. Et les sureaux transpirent à l'autre bout de sa vie. Combien rare était-il que Mina fût ailleurs qu'à sa fenêtre en saillie, au fond d'un grand jardin, occupée à coudre, à tricoter. Et par-dessus ses lunettes d'écaille, à longueur de décennies, elle avait guetté derrière des rideaux retenus par Ambrasse qui passaient dans la rue. Elle est morte. Voilà longtemps que Mina est morte et sa tombe un lieu d'oubli. Est morte, elle est là, Mina Hirt, à sa fenêtre de toujours et me fait des signes de la main.